Et bonjour YouTube. Bonjour. Bonjour. Alors Luc, bonjour, bienvenue dans Planète Zoo, 9e épisode. On va parler des tortues, des scorpions et des phacochères. C'est les 3 prochains animaux qui vont être dans mon zoo. Mais d'abord, Luc, des nouvelles d'Amol, ton rhinocéros. Bah, c'est-à-dire que depuis le dernier tournage, c'était à peu près il y a 5 minutes et 46 secondes. Donc, il a pas bougé quoi. T'as quand même enlevé des quilles, parce qu'il y en avait trop. Non. Non ? Ah bon. Tu m'avais dit que, ouais, il y a quand même un peu trop de quilles, etc., etc. Oui, parce que j'ai trop d'optimisation, mais il est quand même content, regarde. Bon, d'accord. Je montrerai peut-être ça en fin de stream. Mais c'est vrai qu'il a l'air plutôt content. Je vois ça sur mon écran de gauche. De mon côté, eh bien, tout se passe bien. Tout se passe correctement. Les animaux ont l'air plutôt heureux. On va regarder ici au niveau du bien-être. Alors, j'ai toujours les chimpanzés au niveau bien-être. C'est le social qui pêche un petit peu. On devrait d'ailleurs aller regarder. Bah, tiens, Adibou. Mm-hmm. Tu as des chimpanzés Vérus, toi ? Non. C'est pas ceux-là ? Non, c'est des gorilles, moi. Ok. T'as parlé de chimpanzés tout à l'heure. Bon ? Ouais, t'as dit chimpanzé au lieu de gorille. Mais c'est pas. Ouais, c'est attraction gros. Locomotrice est terminée. On a terminé toutes les recherches aussi. Donc ça, c'est bien. Alors, il manque un centre de recherche pour les vétérinaires. Donc ça, j'en mettrai peut-être bien un. À la limite, je pourrais peut-être le mettre ici. Ça sera une zone hein, pour le staff. On va commencer par ça, puis on s'occupera de la tortue diamant. Donc, dans les services. Le code du personnel. Centre, donc on va mettre vétérinaire. Non, malheureusement. En Australie classique. Un peu trop classique. On va mettre un truc en mode Afrique là. Ça peut être bien ça, non, mais c'est un peu grand. C'est pas un truc beaucoup plus simple. Alors, on pourrait mettre comme lui que juste la case blanche, mais on va quand même pas faire ça. Ça par contre j'aime bien. Ouais, j'aime même plutôt bien. Il faut juste casser l'allée. On va faire une pause. On va casser cette allée là. Et on va placer ici en service. Allée vétérinaire. Voilà. J'aime bien ça. Je trouve ça plutôt cool. J'appuie sur X. On va mettre ça là. Je te conseille, hein, Luc, hein, le menu pour faire des déconstructions un peu plus. Tu as un menu à chaque fois pour construire de manière plus complexe, pour déplacer et interagir avec des objets. C'est beaucoup beaucoup plus simple. Parfois, en appuyant sur X, tu peux arriver à ce menu-là. Quand tu D'accord. mets un objet. Alors celui-là c'est pas mal. En plus il va bien aller. Peut-être un petit peu trop même. On va déplacer simplement comme ceci. Voilà. C'est vrai que c'est un coup à prendre hein, la construction dans Planet Zone. Moi j'avais joué à Planet Coaster, donc c'est d'office beaucoup plus simple. Mais je peux comprendre que pour certains ça soit un calvaire hein. Le dire. C'est un peu dommage que ça prenne pas. D'accord, que comme maison plus jolie là, tu me disais là au lieu de mes cabanes blanches. Enfin, le seul truc que j'ai c'est des cabines mais grises. Au tout début, ouais. Ouais. C'est la même chose. En gris. Ouais, t'as le module à l'intérieur, c'est pas vraiment la même chose. Que ce soit pas le truc le plus beau du monde, ça, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, on peut pas dire vraiment que ça soit vraiment la même chose, quoi. T'as. Ah.
Ok, pour moi on va faire comme ça. On va à la cabine vétérinaire. Je sais pas si ça va leur plaire ou pas. D'être à côté de ça. Ça a l'air de le faire. Je vais continuer avec ces buissons là que j'ai placés ici un peu partout. On a une girafe qui va s'accoupler. Ouais, ils sont très très bien ces petits buissons là. Les buissons d'airelle rouge. On va en placer un peu partout. Voilà. Juste pour dire d'en mettre un peu. Ah mais ici j'ai rien mis aussi. Là c'est complètement vide. Intéressant ça. Ils ont toujours soif. Ah ils ont toujours soif. Alors ici j'ai quoi? Ici je crois que c'est les burgers, le hot dogs là. Ah mais il y en a encore deux. Mais il y a les souvenirs. Bah, vu qu'ils ont toujours soif, on va les prendre au mot. On va aller dans service. On va aller dans boisson. Ici. Et alors juste le module. Donc on va aller dans filtre. J'essaie de refaire un petit peu pour s'expliquer un peu à Luc. C'est... On peut enlever les plans. Qu'on ait juste les trucs de base. Plan désactivé, voilà. Si tu mets plan désactivé, tu vois, va dans le petit compas. Tu mets plan désactivé, tu auras que les modules de base. Et plan uniquement, tu auras les bâtiments qui vont avec les modules intégrés, quoi. Donc là, on va mettre... Il y a un onglet plan aussi. Hein. Oui. Directement. Je savais que ça prend. Passer en mode modification de groupe. Donc à l'intérieur, on va mettre le Pip Shot Water. On va bouger avec W. Et là, ici, on aura ça. Voilà. Et alors, on va mettre le café. Juste ici, mais il veut pas, tiens, le café. Ok, le café, il veut pas le prendre. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose qui ferait obstruction. C'est possible. On va vérifier ça. Voilà, il suffisait juste que je le tourne. Et voici le café. Qui est maintenant placé. Avec les gens qui vont donc pouvoir se sustenter aussi ici. Je pense que j'en ai mis assez. Hein, des... Voilà, je conseille aussi quand tu prends un objet comme une lampe, tu fais ce CTRL-D et tu la dupliques en fait. Donc ça permet de la mettre un peu où tu veux, assez facilement. Voilà, voilà, voilà. Alors on va mettre, on mettrait bien un petit arbre ici. Alors j'avais trouvé ceux-là que j'avais trouvé très bien, c'est des acacias. CTRL-D, on va mettre des arbres ici. Faut que je fasse attention, mais ça va. Bon alors... En appuyant sur X, on peut aussi bouger un objet juste avec des flèches. Et ça, c'est bien si tu veux respecter une certaine logique aussi. Et celui-là, je vais remettre un CTRL-D ici. Non, peut-être pas, parce que là, il faut que je fasse gaffe. Pour les animaux. Voilà. Alors, petite zone ici, avec de nouveau des poubelles. Voilà. Et ici, je vais vous remettre juste des buissons. J'ai pas envie de mettre autre chose. Comme ça, les gens qui montent dans les escaliers pourront continuer à voir. Voilà. Alors, c'est des buissons qui donnent juste un peu de couleur, mais c'est très bien. Recherche vétérinaire terminée. Sur quoi? Zèbre des plaines, chimpanzé verru et tétanos. Ok. Alors, on va continuer avec toi sur les... Sur les maladies. Et niveau des sous, ça remonte bien. Est-ce que j'ai encore des prêts? Parce qu'on parlait des prêts tout à l'heure. J'ai encore un emprunt. Ah, ça a été terminé, celui-là. Ok. Ça a été remboursé, celui-là. Ok, donc non, j'ai plus d'emprunt. Faudrait rajouter des fleurs ici. J'aimais bien ces petites fleurs-là.
Voilà. Parfait ça. L'inspectrice est toujours en train de faire son rapport, c'est normal. Alors Luc a eu comme prochain animal aussi l'antilope. Ça peut pas aller dans le même enclos que Amol ça. Non, il va avec personne Amol. Mais même pas avec Waka. Non. Guacamole. Hein, je sais pas. Non, on avait compris, merci. Ah ouais. Je suis pas sûr que Dibou avait compris. Dibou il est mieux, très certainement. Non, non, je suis pas mieux. Et vous y avez tous pensé, hein. Non, vraiment pas. Je suis mieux bon. Là par contre. Non. Ah non, t'es pas mieux. Ah. Dibou, je te connais par cœur, tu y avais pensé. À quoi? J'ai même pas écouté. À guacamole. Adibou ne ment pas. Non. Ok. Je mets une petite boutique à côté d'Amol parce que je sens que ça va être. Tu peux arrêter de rigoler à chaque avancée que je fais. c'est une belle, vraie avancée. Une boutique à côté d'Amol, tu vois. Il va devenir célèbre, Amol. Hein. J'aime bien ces petits palmiers là. C'est ma foi assez sympa. Alors, la tortue diamant. Qui va venir prendre sa place ici. Et puis, le scorpion forestier géant. J'ai tiré au sort des animaux de vivarium. Ma foi, c'est quand même le plus simple. Regardons donc d'abord le... Oh, à chaque fois, on est interrompu. C'est incroyable. Mais le mode X en fait il change pas grand chose. Ah si, il est vachement pratique. Mais bon, peut-être que pour toi une fois. Ouais. Sur le pivotement, c'est très peu précis. Ah. C'est toujours les mêmes crans quoi. En mode X ou sans X. Ah non, 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 tu peux faire le sans cran. Hein. Bah, pas pour pivoter. Ah si, pour pivoter, moi j'y arrive. Bon, attendez, on va les regarder. Tu vois, si je veux pivoter ça, j'appuie sur X. Non, en même temps, pour ça, je peux pas. Les buffs, c'est juste des vaches. Hein. Ici, X. Pivoter. Donc déjà, tu peux pivoter sur trois axes. Alors, à translater. On n'a pas le même. Rappuie sur X. Non, non, mais j'ai vraiment le truc avec les trois flèches et tout. Mais ça, c'est pas un pivotement, c'est une translation. Oui, et ben tu rappuies sur X. Et là, tu peux pivoter, t'as un cercle, mais si tu regardes bien, c'est toujours d'écran. Quand tu cherches à pivoter, si tu bouges tout doucement ton curseur pour pivoter, ça va pas pivoter tout doucement, ça va pivoter. C'est moi, moi si. C'est que en bas à droite, tu as dû mettre aligné sur l'angle. C'est exact. Voilà. Merci. Bah, c'est bien, ça permet aussi aux gens sur YouTube de voir un petit peu. Et voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'avec ça. Tu vois, quand tu cliques sur un objet et que tu fais CTRL X, tu le dupliques et tu peux le laisser sur la même ligne, tu vois, vu que je sais pas si tu comprends. Oui. Ça c'est quand même assez pratique si tu veux que ça soit un peu homogène. Les tortues. Un habitat naturel. Donc ça sera un vivarium. Une tortue à 8 tortues. Reproduction facile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en prendre 2. Et voilà. Un mâle, une femelle. Alors, zoo, animaux, tortue. Oh, il y avait quand même des beaux zèbres hein, aussi. Blanc et tout là. Mmh. Alors, tortue. C'est ça quoi se débloque les boutiques. Oui. Moi j'ai engagé plein de mécaniciens dès que mon zoo a commencé à bien tourner au fait. Parce que là par un truc de saucisse j'ai pas grand chose quoi. Adibou, la tortue diamant, tu l'as trouvée où?
Attends, je te dis ça dès que je peux. Parce que là, je ne la vois pas. Dans la liste des animaux, j'ai dû louper un truc. C'est bien dans le marché. Ah, échange de vivarium. Excusez-moi. C'est bon. Alors, tortue diamant, ça s'achète avec de l'argent. On va autant prendre celles qui ont le plus d'attrait. Par exemple, elle, lui, longévité, fertilité. On va l'adopter. Un mâle, qui a déjà 6 ans. Et alors, au niveau femelle, on va prendre celle-là. Adopter. Ok. On va aller ici dans animaux de vivarium en attente. Ces deux-là, qu'on envoie dans le zoo, à cet endroit-là. Ici. C'est parti. Est-ce qu'ils vont y être tout de suite? Ah oui, elles sont là. Ces petites tortues, elles sont ici. On a ici une tortue qui s'appelle Réa. C'est parfait ça. Elles sont vraiment très très jolies. Nickel. Alors, ben, contenu éducatif, hein. Tortue diamant. Tortue diamant. Et tortue diamant ici. Bien. Par contre, je pense que je ne dois pas encore avoir d'amélioration possible parce que j'ai pas fait les recherches encore. Humidité, par contre, la température va pas suffire, faut l'augmenter. 22 degrés, j'ai mis, c'est très bien. Et alors, on va devoir fermer une fenêtre. La 4, je pense. Non, la 2. Voilà. Et alors, on va remettre une présentation. On va mettre ici de l'autre côté pour la présentation, cette fois-ci des tortues. Et on va mettre en juillet. Gérer les présentations, j'ai quoi? Mars, janvier, juillet. Ah non, juillet, j'en ai déjà. On n'a pas encore février. C'est quoi? On va changer ça ici parce que ça va être beaucoup plus simple. Février, mars, avril, mai. Voilà. Et alors, on va mettre juin. Pour une nouvelle présentation sur les zèbres. On va mettre ça ici, zèbre, et on va mettre ça en juin. Voilà. Ça, il y en aura plusieurs. Ok. Pas de centre de recherche accessible. Ah oui, non mais c'était pas un centre de vétérinaire qu'il fallait pour les soigneurs, c'est aussi un centre de recherche. Ils sont beaucoup à rechercher en même temps. Et en même temps. On va t'enlever toi des recherches, tu vas rester sur les recherches sur les animaux, on fera les recherches sur les maladies plus tard. Voilà. Alors, il va falloir mettre un nouveau vivarium que je mettrais bien toujours dans ce coin-là. Faire encore venir plus de gens ici. Je serais bien tenté de mettre le même architecture. Je sais, c'est peut-être pas ouf. Plan vivarium. Ah, il y a des trucs qui ont l'air un peu plus sympas. Ça, c'est Amérique du Sud. Ah, je peux mettre juste un petit. Comme ça, là. Ouais, il est pas vert. Celui-là, c'est toujours un double. Alors, j'avais des gros trucs comme ça, là. Bim. Ça, c'est super joli, mais... Vivarium Africa. On peut aussi envisager un vivarium de ce type-là. On va faire ça. Moi, je l'aime assez bien. C'est trop haut. Il reste toujours des rambardes. Planir le terrain.
Voilà, ici c'est mieux. Faisons-le. Encore que. On va le déplacer. Plutôt ici. Voilà. On va faire V. Petit par consanguinité. Alors on va ouvrir des fenêtres. Celle-là. Ah mais l'idée, ok. L'idée c'est qu'il n'y ait que cette fenêtre inaccessible. Avec plus, plutôt avec des rochers autour alors. Ok, là on mettrait des scorpions. Ça veut dire que dans le décor nature, il n'y a pas des décors avec des rochers, plan uniquement. Aquatique, c'est naturel. Non, évidemment, on ne pourra pas mettre ça. Ça, par contre, j'aime plutôt bien. Ça pourrait être bien, juste à côté. On peut en modifier un peu chaud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Non, c'est pas la même couleur de roche. Ouais, c'est un peu trop... Mettre des rochers moi-même. Plante désactivée. Juste certains rochers, mais c'est plus ceux-là, je pense. Voilà. Non, encore que c'est pas les mêmes, hein. Si. Non, c'est pas trop mon truc, ça. On va mettre un bâtiment derrière. On verra bien lequel on mettra et comment. Mais plus tard, pour le moment, on va mettre le vivarium là, juste là. Avec juste cet outil. Enfin, ce... Avec juste ça. Encore que... C'est un peu moche, je vais la placer. Il faudra voir, je sais pas comment ça va venir ici en fait. Recherche vétérinaire, c'est terminé. Pour le moment, on va mettre juste ce vivarium là. Qui est pas ma plus grande réussite. Ah, combat dangereux. Stop. Mauvais ratio mâle-femelle. Ok. Alors, c'est très simple. Quand il se passe ça chez les phoques, et ben on va devoir se séparer de certains phoques. Ah mais il y en a des tas des phoques. C'est pas humain de faire autant de phoques. Ah ouais. Alors, ok, il y a certains qu'on va relâcher. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 phoques. Ah, il y a 3 à 8. 2 mâles et 8 femelles. Ça se reproduit trop. Allez hop, relâcher dans la nature, ça me fera des points.
Alors celui-là, il est jeune. Non. Je pense. Ouais. Donc celui-là, on va relâcher dans la nature aussi. Ouais, bah, tous ceux qu'on peut relâcher dans la nature, en fait. Je vous avoue que l'attrait, là, je m'en fous un petit peu. Mais tous ceux que je peux relâcher dans la nature, je vais le faire. Quitte à ce que ça... ça nuise un peu à mon zoo. Par exemple, celui-là, Zayn. Zarya. Et Natasia. Ça va rester 3 mâles, mais il y en a des petits. Ceux-là, on relâche dans la nature, ça me fait 382. Ça me fait 752 points de recherche en tout. Et ils sont très certainement contents. Il y a un niveau social, là. Il manque un peu de sable. On peut jouer avec ça là-dessus. Hein. On va enlever un peu de terre, à mettre du sable. Voilà. Parfait. Je l'aime pas ce vivarium. J'étais en train de réfléchir. Attendez, je vais venir avec un autre vivarium parce que je l'aime pas du tout. Donc voilà, j'ai changé de vivarium qui me paraissait un peu plus joli. Alors c'est encore très... je sais pas trop ce que je vais mettre en plein milieu. Bon, je prévois toujours de mettre des enclos ici. Je prévois peut-être d'élargir ça plus tard. Parce qu'il y aura le facochère qui va devoir pouvoir venir aussi. Je vais mettre les scorpions forestiers géants. Mais d'abord, on va aller voir la tortue. Dans ce vivarium, il y en a déjà combien? Il n'y en a que deux. Ok, d'accord. Bon, échange de vivarium. Espèce. Scorpion forestier géant, ça va pas me plaire. On a celui-là qui est pas mal. On peut l'adopter, c'est un mâle. Et une femelle ici qu'on peut adopter aussi. On va prendre celle-là. Voilà. Et dans l'échange de vivarium, ces deux-là. Envoyé dans le zoo et on va les mettre ici. On va commencer par ça. Les voilà. Et donc, scorpion forestier géant ici. Scorpion forestier géant là. Au niveau... ouais, humidité, c'est bien. C'est bon, pardon. Ça va se reproduire beaucoup, mais c'est pas grave. On va placer des boîtes à dons aussi. Que les gens fassent des dons. Ouais, je vais en placer un peu partout. Comme ça, ça sera fait. Le zèbre des plaines va avoir un ou des petits. Cool. Ça va très vite. Un panneau de présentation. Ouais. On va en mettre, hein, parce qu'à chaque fois, il manque des... il manque c'est des soigneurs trucs. Pour les enclos. Pour nettoyer les enclos. Ouais, je pense. Sais pas, ouais. Ah, c'est pas l'agent d'entretien. L'agent d'entretien aussi, peut-être, ouais. À chaque fois, j'hésite. Scorpion forestier géant, on espère que ça suffira ici. Je vais mettre au mois d'août. Ou le juillet plutôt. Non, on était en juillet, je crois, dans la gestion des présentations. On était bien en juillet, c'est bon. Ok. Voilà. Je vais pas zoomer sur le scorpion parce que ça va pas me plaire. Dans les tortues, on est toujours en train de faire des recherches. Installation, bon ça c'est la grenouille. Ah, j'ai pas encore fait de recherche. Recherche vétérinaire terminée. Sur les zèbres des plaines.
Ok. Il y aura beaucoup, beaucoup à rechercher. Le zoo prend bien forme. Hein. Alors, le facochère. A priori, le facochère commun, ça devrait être facile. Parce qu'il va aller ici. Il lui faut quoi? Niveau 2? Oui, ouais. À mon avis, sans aucun problème, il va pouvoir venir ici. Mais ça veut dire qu'il va falloir de nouveau de nouveaux panneaux. Toujours au niveau éducation. J'ai pas désactivé les plans, on va les réactiver. On pourrait mettre ceux-là, tiens. Ah ouais, sur le facochère, tiens. On peut mettre ici, ça. Peut-être le déplacer un peu, juste comme ceci. Voilà. Et ensuite le dupliquer. Non, pas comme ça. Je suis pas super fan de le mettre là, en fait. Enfin, si, en même temps. Ouais, ça va. C'est pas trop trop grave. V. On va en mettre un autre. Je pourrais pas en mettre partout. Ici, est-ce qu'il y a la place quelque part? Je sais pas si ça sera visible là. Bon, allez, c'est bon. Ça va marcher. Alors, le facochère. Quoi? Un animal s'est échappé, c'est quoi? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Ah, ils ont grimpé. Ils sont obligés de mettre des déchets partout, par contre. Ah, ils ont grimpé. C'est la première fois que j'ai ça, par contre. Si je modifie la clôture ici, on va mettre pause. Si c'est là, je la fais beaucoup plus haute. Est-ce que c'est grave ou pas? Ça, j'avais pas prévu ça. Non, on va pas faire ça. Donc, on va replacer l'animal ailleurs. On va déplacer ça ici. Livraison programmée. Je peux pas lui dire d'aller travailler là, mon agent d'entretien, il est en train de prendre un café depuis tout à l'heure. Ça, j'avais pas prévu ça. On va mettre des rochers, hein. Temps d'inactivité, 63%. Temps passé à travailler, 5%. Ça, t'es top. Parce qu'il y a le temps d'inactivité, il y a le temps de café, et il y a le temps de marche. Ah, t'es pas tombé sur un bon, c'est tout. Par contre, je perds toujours des sous. Hein. Ouais, mais ça, c'est les débuts. Tu vas devoir t'y faire. Bon, t'as perdu beaucoup de temps aussi avec... Parce qu'au fait, ce qui marchait pas dans le zoo de Luc, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est qu'il avait mis des... une allée pour le staff à l'entrée de son zoo, et donc les visiteurs n'étaient pas contents, ils savaient pas sortir. Ni entrée pour le coup, ouais.
Je sais pas si ça va suffire à régler le problème que j'ai actuellement. Je vais essayer de blinder un petit peu par ici. En espérant qu'ils escaladent pas tout n'importe comment. J'ai bon espoir que ça suffise. On va peut-être même aller en mettre un ici. Voilà. On verra. Et si ça marche pas, ben on avisera. Il y a des couchages pour les habits, pour les habitats. Là. C'est un habitat, hein, ça d'abord pour Lyon. Au tout départ, mais moi j'ai mis comme décoration. Ok, le fameux rocher du roi Lyon. Bon, le facochère du coup, bah, je vais quand même le mettre. Préoccupation mineure, ça devrait le faire. Un mâle et 6 femelles. La saleté risque de causer des maladies. Ah bah justement, on en parlait, tiens. Ah, les zèbres, c'est terminé. Donc on va pouvoir passer au scorpion. On va appeler le... Je pense que c'est le soigneur. Il s'occupe de ça, sinon je vais faire popper ici un agent d'entretien. Je peux pas le faire popper dedans. Faire popper ici. Ah. À moins que lui soit là. Non, c'est l'agent d'entretien qui... Effectivement, qui nettoie, j'ai l'impression. Ah bah j'allais dire que c'est le soigneur, mais... Ah ouais c'est... Parce que dans le soigneur, t'as une case habitat nettoyé l'année précédente. Ah, ok. Alors les zèbres, on peut mettre qualité 3 en nourriture. Ah bon, bien finir par venir nettoyer ça. J'imagine. Voilà le soigneur. Non, ça c'est le mécanicien. Qui vient réparer la clôture. Lui. Bon. Facochère. Donc un mâle, une femelle, échange d'animaux. Bim. Espèce. Facochère commun. On actualise la liste. Ça ne s'achète que par des crédits de préservation. Ah non, ça peut s'acheter aussi comme ça. En prenant des crédits de préservation, on aura certainement des très bons ici. On va prendre ces deux là, on va prendre un Rege Griblin et un Albinos. J'ai curieux de voir ce que donnera la... Hop. Voilà. Faut pas donner le croisement. Et hop, hop, hop. Envoyer dans le zoo. Et on les envoie ici, mes facochères. Ah, c'est vrai que ça ferait bien d'être nettoyé. Hein. Et c'est le... soigneur. Qui est en train de tout nettoyer. Comment tu fais quand t'as un animal qui est... Enfin, quand j'ai une tortue de confiance qui est enceinte. Ah bah tu la laisses faire. Et voilà le facochère et les deux. Ah, ils sont beaux. Hein. Alors c'est... Pour le coup, je préfère le brun. Trop bien. Et tout le monde a l'air de bien vivre ensemble en plus.
Donc c'est vraiment bien pour la savane. On peut donc mettre ici le phacochère sur l'écran. Il y a du monde. Hein. Il y a vraiment du monde ici. Donc ça c'est bien. Et on a un cadeau récupéré. Au moins 1750 visiteurs. Cool. Ça n'arrête pas de monter. Alors, on va faire ici un clic droit. On va mettre ici les facochères. Et alors, ça sera en août. Hein. Ah, le panneau est à l'envers. Ok. Voilà, c'est mieux. Attends, niveau éducation, je fais mon maximum quoi. Mais ils sont un peu récalcitrants. Repassons, rotation complexe. Et voilà. Bim! Eh ben c'est super! Alors je vous propose, avant de dire au revoir, mais qu'on aille faire un tour dans le zoo de Luc et d'Adibou. Je suis sûr qu'ils ont hâte de vous montrer ce qu'ils ont fait. Moi oui. Ah Luc, bah. Moi. On va aller voir ça. Alors, en urgence, d'abord, le gorille de Adibou qui s'est échappé. Qu'est-ce qui s'est passé, Adibou ? Bah, j'en sais rien. Ah. Et tout allait bien, puis... Ah ouais ? Ouais, je sais pas comment il s'est échappé, tiens. Peut-être que la clôture... Ah, il est peut-être monté, si. Il a sauté. Entre le perchoir et... Avec la liane, non ? Non, je pense pas. C'est possible, hein. Ouais, wow, bon, on va réessayer. Ouais. Puis on va voir ce qui va se passer. Alors, comment ça va ton zoo ? Bah, moi, ça va super. Donc, en fait, bah, du coup, j'ai eu des petits pandarous. Et puis là, je vais vous dévoiler la zone Afrique et, que je suis en train de faire. Voilà. Donc, c'est en construction encore. Là, ça a une petite vivarium, mais ce sera autre chose. Et en face, ça sera la zone Afrique. Et le buffle ? Ouais. Il est là-bas ? Les buffles ? Ah, bah, ils se portent bien. Ah, bah, d'accord. D'accord. Voilà. Il valait mieux éviter que ça soit au contact des gens. Ah oh. Oh bah dis. Ah bah oui. C'est la nature. C'est... Hein. Fait. Mais. Ok. C'est Luc quand il fait une sieste. Oula. Alors Luc, justement, allons voir. Comment ça va ? Comment va Amol ? Parti dormir à Moll. Ah, le prix du billet est trop cher, Luc. Oui, je sais, mais il est à 7$, donc ils vont arrêter de m'enquiquiner, parce que je suis à moins 6000, par contre. Ah, tu rembourses ton prêt de 20 000 en prenant un prêt de 50 000. C'est déjà Et alors, montre un peu ton antilope. Elle est toute seule ? Ah non, il y en a plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Bah c'est pas mal, hein. Ça évolue bien, je trouve. Pourquoi tu te moques de moi ? Mais je me moque pas. Je trouve ça vraiment. Ça s'entend dans ta voix, Asgard. Le sarcasme se sent, mais. Non, mais ça va déjà mieux qu'avant. Déjà... Mais ça va pas du tout mieux. Non, ton bilan financier. Si, franchement, ça va mieux. Mais tu peux prendre encore un autre emprunt après. Il va être surendetté. Non, franchement... Ouais, enfin, le truc, c'est que je vois pas ce que je peux faire, en fait. Bah, regarde, ça monte là. Reprends un autre emprunt et remets d'autres animaux dans les espaces vides, quoi. Voilà. Mais voilà.
On va se laisser là sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci à Adibou et à Luc d'avoir été là. Il y avait 20 qui était pas très très loin aussi. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.